Cela ne vous aura pas échappé, la collection 2020 a été fortement marquée par l'émergence de camping-cars de 7,20 m de longueur. Un gabarit tendance sur lequel le constructeur Bürstner répond dans sa gamme de profilés Liseo TD par le lancement récent du 732. Ce véhicule présente le grand avantage par rapport à la concurrence de profiter de série d'un double plancher technique isolé et chauffé baptisé Thermoflore. La large porte XL avec baie est prévue de série et elle permet de plonger dans un habitacle feutré. En entrant, difficile de ne pas remarquer le joli salon avec, grande tendance du moment, ses banquettes en vis-à-vis. Il se destine à un usage pour 4 convives confortablement installés autour de la table. A noter que pour la circulation, le plateau est rabattable de moitié et libère ainsi un large couloir. Fidèle à l'image de la marque, la cuisine affiche un joli look. Un design moderne certes, bien mis en avant par le revêtement à la fois élégant mais doté de certaines propriétés comme le fait d'être anti-rayures ou anti-chaleur. En plus du réchaud 3 feux et de la cuve inox de 12 cm de profondeur, la cuisine est équipée d'un frigo de 145 litres. En partie arrière, ce profilé met à l'honneur un joli lit central aux dimensions un peu décevantes, il est vrai, de 142 cm aux épaules et 186 cm de longueur. En revanche, ce couchage se rattrape puisqu'il est réglable en hauteur et permet ainsi de moduler la hauteur en soute de 89 cm à 112 cm. Et le sommier profite également d'une tête de lit relevable. Ce dispositif a le grand avantage d'augmenter d'une bonne dizaine de centimètres l'accès autour du lit, un atout non négligeable sur ce gabarit, rappelons-le, de seulement 7,20 m où le passage en bout de lit est minutieusement étudié par la clientèle camping-cariste. En pied de lit, justement, on retrouve la classique salle d'eau composée côté passager d'un cabinet de toilette. Si ce dernier est indépendant de la douche, le poste sanitaire répond à la tendance du moment, à savoir un double cloisonnement qui permet de réunir les deux espaces en un seul. A noter que le passage de roue a été bien géré et par conséquent n'entrave pas sur ce modèle le receveur de douche parfaitement plat. Pour seconder le lit central, ce Liseo TD 732 peut recevoir en option un lit de pavillon électrique. Facturé 1490 €, il surmonte élégamment le salon et affiche des dimensions de 131 cm par 198 cm et conserve un tirant d'air de 73 cm. Côté ambiance, ce Bürstner dispose au choix du mobilier Santina ou comme ici le Baya. Tous deux participent à la modernité des lieux et au bien-être à bord. Côté budget, ce Liseo TD 732 est commercialisé de base à 59 990 € en version privilège, comme le modèle à l'essai reconnaissable ici par sa cabine gris de série. Cette finition premium offre légitimement une dotation d'équipement plus riche que la version dite classique commercialisée, elle, 2 000 € moins chère.